Good morning! This is the start of a new vlog, and today it's almost rainy, but not. But I have my hat, so I'm ready for the rain if it comes. Hopefully not, but we'll see. Anyway, this way is Champs-Élysées, and this way here is Avenue Montaigne. And this morning I'm going here, where you have the beautiful doors, golden doors. And this is Arcurial. It's a special place for auction, luxury auction, art auction. Today we are gonna see a few pieces for the next auction, which is all about luxury, fashion, and all the things you love. So let's go together. Majoritairement des sacs Hermès. On a quelques Chanel, quelques Dior, Vuitton et Fendi. Et vraiment, la vente se concentre sur les sacs Hermès. Majoritairement, comme toujours, des Birkin et des Kelly. Et cette année, on a vraiment une très jolie vente avec beaucoup d'éditions limitées, des commandes spéciales. Là, typiquement, sur la sélection qui est présentée, vous avez celui-ci. C'est un Birkin 25 Cargo, c'est l'édition limitée de 2022. Vous avez celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir, c'est un Birkin scellé. Donc c'est une toute nouvelle façon de faire les Birkin. Au niveau des finitions, oui. Voilà, sur les côtés, oui, oui. Et là, il est les coutures en extérieur. Et ça, c'est la couleur Mata qui a eu beaucoup de succès en 2021. Une commande spéciale qui a été faite en 2019. Et du coup, la particularité, c'est que c'est du crocodile en vert émeraude avec les surpiqûres qui sont jaunes et l'intérieur qui est jaune aussi. D'accord. Et la bijouterie est dorée ici, c'est ça? Alors, non, la bijouterie, elle est permabrasse. Elle est dorée argentée. Oui. Et vous avez celui-ci qui est en haut à couloir. Ma salle de voyage, et c'est l'édition qui a été sortie dans les années 2019 qui s'appelle Endless Road. C'est une ligne masculine qui a été créée et qui a été déclinée en vêtements, en petite maroquinerie, et ça, c'est le seul sac qui a été fait dans cette collection. Et en fait, l'idée était de représenter un paysage californien. Il a la particularité d'avoir beaucoup de cuir différent avec des broderies. Ça, c'est tout comme broderie. Voilà, sinon, vous avez les classiques en crocodile, des crocodiles. Et vous avez un petit constant en veau d'oblisse. Donc, le d'oblisse qui est une matière qui est assez recherchée, qui se faisait beaucoup dans les années 90 et qui est heureuse de faire un entre les Kelly et les Birkin, c'est vendez plus un modèle. Alors, ou un autre? Non, c'est vraiment, il y a le clan Kelly et le clan Birkin. Les Birkin sont légèrement plus chers. C'est des questions de... C'est question de à savoir si on porte avec la bandoulière, si on préfère le Kelly, si on préfère sans la bandoulière, porter au bras. C'était à la base Jane Birkin qui voulait un sac cabas pour un sac fourre-tout, en fait. Exactement, parce qu'elle ne voilà. Trouvait jamais ses affaires. C'est ça. Pour cet enfant. Ouais. Le Birkin se porte couvert. Oui, en plus. Now, let's talk about the jewelry. This is a necklace, and wait for it, it becomes... Exactement, et ils sont d'ailleurs différents. Alors, ils ne sont pas faciles à ouvrir. Celui-ci, c'est des gros diamants. Mais en chute, vous voyez, et effectivement, qui se porte en bracelet. Magnifique. Et l'autre,
C'est des diamants en serre étoilée. C'est des petits diamants dans des serre étoilées. Et je crois qu'il fait bracelet aussi. Oui, il fait bracelet aussi. Moi j'ai des petits poignets. Et en fait, la cliente, elle avait fait rajouter, ou je sais pas comment elle a fait, mais deux boules supplémentaires parce que sans cette partie-là, vous voyez, on pouvait pas le porter en bracelet. Donc, il y a des petits éléments qu'on rajoute. Ouais. Collier et bracelet. Mais c'est Mélerio de quelle époque? Ça, c'est 1910, 1915. Mais ça, c'est... Oui, c'est ce que je disais. Ça, c'est style 25. Ouais. Mais ça, moi, je pense que c'est avant, c'est 1910. D'accord. Peut-être qu'il y a deux époques. Voilà, et là, c'est plus fait... 40, 45. Ouais. Ça, c'est Monture Boucheron. Magnifique. C'est une cliente qui avait les pierres et qui a été chez Boucheron pour les monter. Alors, je ne sais pas si elle a proposé un dessin ou c'est Boucheron, mais voilà, ils ont fait une super jolie monture, c'est magnifique. C'est magnifique. This is a brooch that match with the bracelet and with the clip earring. The design is really very delicate, beautiful. And for the little story, the customer had already all the stones and she asked Boucheron to create the design and the whole set. Et c'est deux magnifiques bijoux. Alors ils sont pas signés, mais c'est un travail français. Les émeraudes sont magnifiques. Ah oui, elles sont de Colombie, donc elles sont de très belle qualité, avec huile mineure, donc parfait. Et le bijou en lui-même, pareil. Et 1910, c'est ancien, c'est somptueux. Donc en fait, tout à l'heure, on avait le collier en une seule pièce, et là, il a été détaché pour avoir cette partie ici qui devient bracelet, et ici, il se détache aussi, et comme ça, ça fait trois bracelets. Et après, il y a le full set avec les boucles d'oreilles clip et la bague qui va avec. Et c'est de la maison Van Cleef & Arpels, daté de 1970. Modèle iconique de Boucheron, années 70. Voilà. C'est une bague de chez Cartier. Le nom du modèle, voilà. Bague signée de Jean Vendôme. Bijoux de Claude Lalanne. Ici, deux bijoux de l'artiste César. Ici, vous avez la petite broche. Une bague en diamant jaune, absolument magnifique. Pièce de chez Bulgarie. Iconique serpentine. Et ici, toujours chez Bulgarie, vous avez, est-ce que vous reconnaissez, vous avez la pièce monétée. Je ne sais pas si on voit bien. Et voilà.
Hello again, this is a new day. We are already in the evening and I am with this surrounding and I wanted to share with you the view because I mean I'm living in Paris since 22 years now, but I'm still amazed by this beauty. So here is the view. I am underneath the bridge of Bir Hakeim, and this is the view you have from there, and this is a very famous spot when you want to take your photo, like a wedding picture, or also you can see many influencers coming here to get their picture with this beautiful surrounding. And so I guess this is time for me to end this video here. I see you very soon for a new video. In the meantime, you can follow me on Instagram. I put the link down below and see you very soon.